Nous reprenons notre aventure de Lost Judgment. Nous sommes au chapitre 6, au tout début. Donc on va avoir le droit au résumé de l'histoire. Hein. Si vous aviez un petit peu lâché la progression dans ce Game Plaisir EX. Donc chapitre qui s'intitule Flamme Convergente. Heureux à Denset, merci à Droz pour son prime. あえて痴漢の汚名をかぶることで 復讐のアリバイを作ったのだ。 Bon voilà, après avoir pensé que la vidéo enregistrée du meurtre de Miko Chiba était un fake, et bien au final ils sont partis avec l'idée que c'est l'agression qui est une complète mise en scène pour donner un alibi en or à Ehara. Miko Chiba a été tué à cause du harcèlement qu'il a fait subir à Toshiro Ehara. Dans la vidéo du meurtre diffusée sur Internet, on voit le père de Toshiro, Akihiro Ehara, venger son fils. Et on sait qu'Ehara avait des complices. Le 7 octobre à 6h30 du matin, ils ont conduit Miko Chiba dans un bâtiment désaffecté et l'ont roué de coups. Et aux environs de 7h30, au moment où Ehara tuait Miko Chiba, ses complices étaient certainement dans les parages, même si on ne les voit pas sur la vidéo. Pendant ce temps, à 30 km de là, un homme se faisait passer pour Ehara, était filmé dans la gare d'Ikebukuro. On l'appellera la doublure. Ce type est resté devant les caméras une heure, puis a pris le train de 9h06 dans lequel se trouvait Yui Mamiya. Après l'avoir agressé à l'intérieur, il a retrouvé le vrai Ehara à l'abri des caméras pour échanger de place. Voilà comment il l'a aidé à se créer un faux alibi. Et je pense même que la victime Yui Mamiya était dans le coup depuis le début. Je vois. Il y a beaucoup de personnes impliquées dans le meurtre de Miko Chiba. Yui Mamiya, la doublure qui a commis l'agression dans le train, les types qui ont kidnappé Miko Chiba. Comment Ehara a-t-il fait pour recruter autant de complices? J'ai une petite idée de la personne qui aurait pu les rassembler. Yoko Sawa. Elle enseigne au lycée Saerio. C'est la seule adulte à qui Toshiro s'est confié au sujet de son harcèlement, à son harcèlement, et elle était la tutrice de Miko Chiba. Mais ce n'est pas tout. Elle est également diplômée de l'académie Kurokawa, comme Yui. Et les badauds sur la scène du crime y venaient aussi de cette académie. Comme ils ont l'air d'avoir le même âge, ils étaient peut-être tous dans la même classe. Ils seraient donc les complices d'Ehara, ce qui signifie qu'ils sont impliqués dans le meurtre de Miko Chiba. Et Yoko Sawa est au centre de toute cette affaire, car c'est elle qui relie Ehara aux autres. On sait qu'elle s'est sentie coupable après le suicide de Toshiro, qui était son élève. Elle a peut-être recruté ses anciens camarades pour aider Ehara à accomplir sa vengeance. Ce n'est pas à exclure, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Je trouve que Madame Sawa est une excellente professeure. Elle est vraiment passionnée par son travail. Quand des élèves ont des ennuis, elle n'hésite pas à les aider. Je sais qu'elle s'en veut de ne pas avoir pu empêcher la mort de son élève il y a 4 ans. La vérité, c'est que Miko Chiba était lui aussi son élève. Donc si on découvre qu'elle est impliquée dans son meurtre, je n'aurai plus jamais confiance en ma capacité de juger les gens. Je retourne à Ijincho demain.
J'interrogerai Yoko Sawa à propos de Yui Mamiya pour voir sa réaction. En attendant, ne tirons pas de conclusions hâtives concernant son lien avec Ehara. Sinon, j'ai peut-être trouvé quelque chose lors de mon enquête sur l'Académie Kurokawa. C'était il y a 13 ans, mais j'ai trouvé un autre cas de suicide lié à une affaire de harcèlement dans cet établissement. Un élève de 3e année s'est jeté du toit du lycée. Un suicide à cause d'un harcèlement il y a 13 ans, je crois que Madame Sawa en a parlé en effet. Si je me souviens bien, le lycéen a survécu, mais est aujourd'hui dans le coma. Madame Sawa m'en a parlé, elle a dit qu'un garçon de sa classe avait tenté de se suicider. Il doit s'agir de la même affaire. Le garçon s'appelle Mitsuru Kusumoto. 30 ans, toujours dans le coma. On arrive à trouver tout ça sur Internet. En temps normal, non. Mais sa mère est l'actuelle ministre adjointe de la Santé. Tu as déjà entendu parler de Reiko Kusumoto ? Oui, je l'ai vu aux infos, ils ont aussi parlé de son fils. Un ministre adjoint a beaucoup de pouvoir au sein du gouvernement. Reiko Kusumoto doit être très influente. Vous vous souvenez du scandale qui a éclaté lorsque le ministre adjoint de la Santé Ichinose a été arrêté ? Son successeur n'a pas été capable de gérer la situation. Madame Kusumoto a donc été appelée à prendre les rênes. Elle ne cherchait pas à être promue, mais à ne traîner aucune casserole. Elle ressemble vachement à la femme là, avec les lunettes qui a essayé d'impressionner le professeur Sawa. Qui plus est, la tragédie de son fils l'a rendue populaire. Certains la tiennent en très haute estime. Elle a toute l'admiration de la nouvelle génération au ministère. Mais cela a-t-il vraiment un rapport avec l'affaire ? Qui sait ? Mais les fils de Reiko Kusumoto et d'Ehara ont tous les deux été victimes de harcèlement, pas vrai ? Je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien entre eux qui nous aurait échappé. Ok, et concernant le fils de Reiko Kusumoto, que s'est-il passé exactement il y a 13 ans ? Eh bien, le gars qui le harcelait était un 3e année à l'Académie Kurokawa, un certain chinois kawaii. Shinya Kawaii. Il maltraitait Mitsuru pendant et après les cours. Un jour, il lui a même enfoncé des chiffons dans la bouche. C'est horrible. Leur professeur principal n'a strictement rien fait. Il a juste dit à Shinya en souriant, « Vas-y doucement. » Ah oui, c'est vrai, je me souviens que les journaux se sont acharnés sur lui. J'imagine que tout ça se passait devant Madame Sawa, Yui Mamiya et les camarades de Mitsuru. Ils se sont sentis coupables de ne pas être intervenus et Ehara s'en est servi pour les convaincre de les aider. Mais pour qu'on puisse le prouver, il faut qu'ils avouent. Je parlerai à Madame Sawa demain à la première heure. Parfait, merci pour ton aide. De mon côté, je vais travailler sur le recours d'Ehara. C'est clair qu'ils ont raté un truc important pendant le procès, vu qu'apparemment, Ehara est innocent. C'est ironique, bien sûr, puisqu'il était en train de commettre un meurtre pour venger son fils. Ce qui a commencé comme une simple agression est devenu une grosse affaire. Donc voilà, là, on en a appris un petit peu plus sur la suite des événements et donc le fait que il pense que c'est la mise en scène, enfin l'agression a été mise en scène et que tous ces gens ont un lien en fait avec leur ancien lycée pour certains, notamment avec Kurosawa. Et voir un petit peu comment tout ça va se goupiller. Il y a du monde. Rafifi. Alors attends, est-ce qu'on avait quelque chose à faire la nuit ? Je crois pas. Ah oui, on avait ça, mais c'est le jour. Ouais, et là, on a encore la nuit, malheureusement. Là, on avait déjà été checké, mais ici, même en faisant le tour, il n'y a pas de porte ouverte. Donc je pense que ça marche que le jour, cette quête. On peut pas la faire la nuit. Ouais, bon, on va aller voir les chats sur le passage, et puis ensuite, on ira à l'agence. Hein. On n'a pas grand-chose d'autre à faire. Et ensuite, on retournera à Yokohama. C'est vrai que je nourris pas mal les chats. Ouais.
Bon, autant le faire quand on est à Jinsho, parce qu'après on va peut-être pas y retourner tout de suite. Attends, là par contre je suis en train de... Encore ça va, là, y a pas d'ennemis compliqués. Je voulais le taunt, mais ça je voulais le taunt, mais ça l'a énervé direct. Ah oui, j'aurais pu prendre Rampo, ouais. On va faire des combats de temps en temps quand même. Alors attends, moi je cherche à aller là. Hop. J'aime bien la pièce placée vraiment n'importe où dans cette rue. Ah, ça c'est Gaspard, ça. Je sais même plus si on l'avait maxé, Gaspard, ou soit plus. On va donner à manger dans le doute. Ah oui, on l'avait maxé. Hop, et on va aller à l'agence. J'ai pas pris le chemin le plus court pour aller à l'agence. Hein. Ah bah surtout que je peux... Attends, je suis où là? Ah si, c'est bon. Hop. Câble électrique. Et de retour à l'agence. Bon, est-ce qu'on se fait ridiculiser un jeu Master System? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé comme jeu? On va vite faire avec Skid, hein, parce que ça, rien que la musique, ça va vite nous prendre la tête. Hein. C'est genre vraiment vite fait. Non, c'est la bague, je me souvenais plus. Je sais qu'il y a une sorcière par là. Fais gaffe parce que les hitbox du jeu, elles sont pas... Elles sont pas super clean. Tu peux pas... Oula. Tente des trucs, moi. Ça, vous en avez pas trop marre de la musique. C'est qu'elle était, super assez relou la musique dans le jeu. Tu peux passer par le meilleur endroit là. Parce que là tu peux plus. Parce que là je crois que je peux pas. Pas sûr que je puisse aller sur cette plateforme là. Si? Ah non, je peux pas passer là. Hop.
Alors la pieuvre, là. Ah c'est le crapaud. Je sais plus comment il tire lui. Ah voilà. Ah. Oula. Je me souvenais pas qu'il redescendait aussi vite. Ah bah voilà. Ah oui, il faut se caler. C'est vrai, il faut se caler. Il faut se caler là et le bourrer là. Déjà, faut que. Oh là là. Je sais pas comment je suis pas mort. Je sais pas comment il m'a pas touché. Oh, ce poisson là. Ah là là là. Bon, je pense qu'on n'a pas assez pour acheter. On a assez pour acheter la moto. Alors, je vais me faire ridiculiser par la moto parce que je sais plus du tout comment elle se manie. Ah, j'avais dit. Des bruitages entêtants. C'est qui veut pas taper baisser. Oula. Ah bah je connais pas le Janken sur celui-là, hein, voilà. Jeu en plus full dans la langue de Molière. Je me souviens pas du Janken sur celui-là. Je sais plus comment on sélectionne. Ah oui. On va se faire ridiculiser sur le Janken. Ah. Alors on rappelle, hein, c'est toujours la même séquence, sauf qu'à partir du moment où on se trompe une fois, après c'est aléatoire. Ah merde. Ah, c'était le jeu de la patience. Ah, on a repris un point. Oh là là, 2 points, c'est incroyable. Oh là, battu. Complètement au pif. Bon voilà, on a compris l'idée. Ah, j'ai la bague pour taper plus fort. Je sais même pas comment on sort. Voilà. Non parce que c'est vrai que les musiques... C'est chaud. C'est vite chaud. Il y a des enquêtes ici. Ah tiens, il y avait une enquête. Ça me rappelle des souvenirs, je n'ai pas vu rien depuis des lustres. Wouah, c'était une ninja. Ah oui, c'est vrai, je trouve toujours amusant qu'un ninja américain ait décidé de me prêter main forte. Alors comme ça, il a ouvert un dojo au Japon, je ne sais pas quel genre d'élève il s'est trouvé, mais on dirait qu'il est assez bon pour avoir un rival. Dans tous les cas, il me faut plus d'informations. Se rendre au Side Café. On va voir cette mission-là, attends, elle est où ? Dojo Rivo. Ah, c'est Cobra Kai, hein. Attends, faut voir si vous le savez le café déjà. Est-ce que je vais arriver à passer... Ah oui, c'est vrai, on peut passer que d'un côté dans son bureau, on peut passer que derrière le canapé, c'est ça. Je me souviens qu'il y a une entourloupe comme ça. Tu peux pas circuler comme tu veux dans le bureau.
Alors, fais voir. C'est pas si c'est actif la nuit. Ouais, mais c'est pas loin en plus le site café. Ah non, attends, ça c'est quoi? Braqueur de café, c'est pas la même chose ça. Dojo Rivo, c'est là. Non, ça c'est la quête qu'on n'arrive pas à compléter parce que ça doit être deux jours. Attends, en plus il y a un peu d'argent à se faire là, non? Combien c'est là? J'ai vu les trucs, je me souviens déjà plus. Ah, c'est plus marqué là. Y a pas, c'est pas genre 100 000? Alors attends, le site café, ouais c'est dans cette partie là. Hein. Ah, c'est... Non, il doit avoir un autre étage. Ah non, c'est à l'intérieur. Alors attends, je sais plus comment c'est par là. Ouais, le site café, c'est celui qui est à l'intérieur. Ça doit être ici. Après ce qu'il m'a dit, il est censé se cacher par ici, mais où exactement? Ah, une phase où il faut le trouver. Non? Se rendre au site café? Ah oui, non. Ah si, on l'entend. Ah, donc qu'est-ce qu'il a... Où c'est qu'il s'est foutu, cet abruti? Bon, si je le fais au son, il a l'air d'être plus par là. Ah, il est là. Ah, il est complètement là. Une discrétion à toute épreuve. C'est bien moi, Ryan Acosta. Célèbre shinobi. Tu n'as pas changé. Maître Yagami, qui contrôle sa respiration ou qui crache du feu, un ninja moderne se doit d'être aussi mystérieux que flamboyant. Quand veux-tu que je suive le rythme? En dehors de ta maîtrise des arts ninja, tu vas pour le mieux? Plus ou moins. Mais toi, tu as l'air de bien t'en sortir. C'est vrai que tu as ouvert un dojo? Afin de faire découvrir la voie du ninja Ryan au monde entier, j'ai dépensé toute ma fortune dans l'acquisition d'une base à Kamurocho. Ça a l'air d'être un sacré projet. Mais si j'ai bien compris, un autre dojo a commencé à te piquer tes élèves. Oui, c'est lamentable. Les graines que j'avais plantées avec tant de soin ont été arrachées, l'une après l'autre. Mon futur jardin est maintenant vide et dévasté. Mince, ça craint, mais au moins ça veut dire que les ninjas sont de plus en plus populaires, non? Ça va être un bon signe que Kamurocho ait deux dojos. En effet, depuis notre dernière rencontre, j'ai maîtrisé l'art du streaming. Ouah, il est sur Twitch. Très utile pour faire connaître les ninjas et soigner notre image. En fait, avant que mes disciples ne rejoignent mon dojo, ils étaient abonnés à ma chaîne. Je vois. Fameux rival alors. Oui, le russe. Un russe? Tu veux dire que c'est un étranger aussi? Qu'est-ce qui vous attire autant dans ce pays? Tout. Enfin, mon rival est un ancien spetsnaz. Oula, Borscht Kalachnikov, à la carrure d'un ours et les muscles d'un tigre. Je n'avais encore jamais eu d'ennemi de ce genre. Un ancien spetsnaz des forces spéciales russes? Apparemment, son entraînement est si exigeant que ses disciples en viennent à se blesser. Et pourtant, son dojo cartonne. Je ne vois pas comment de simples fans de ninja pourraient avoir envie de prendre ce risque. C'est toute la question. J'ai envoyé l'un des miens s'infiltrer chez lui, mais malheureusement, ses efforts ont été vains. L'un des tiens? Ah, ils sont plusieurs en plus maintenant. Technique secrète des ombres clones spirituels. Je ne sais plus vraiment quoi. Pourtant, il y en a un qui n'est pas habillé pareil, qui fait pas la même taille. Il y en a un qui a l'air plus vieux aussi. Devant toi se trouve mon dernier disciple, le maître Jirozaimon Asakusa. À l'âge avancé de 78 ans, c'est mon successeur le plus loyal. Malgré tous ses efforts pour infiltrer le dojo Kalachnikov, gros nom, il s'est effondré lors des épreuves qui lui ont été infligées. Je me suis couvert de honte. De quel genre d'épreuves on parle exactement? Ce sont des tests rigoureux conçus par Kalachnikov pour évaluer les talents de shinobi d'un apprenti. On ne peut pas entrer dans son dojo sans les réussir. C'est pourquoi je te demande humblement d'infiltrer ce dojo à sa place. Voyons, si j'ai bien compris, tu veux que je m'infiltre dans une école ninja douteuse pour comprendre comment un russe a réussi à te voler tes élèves. En résumé, oui. Bon d'accord, je suis partant. J'aime bien ce qu'il accepte. Hein.
Tu as bien du mérite, Maître Yagami. Je te prierai d'utiliser ceci lors de ta mission. Viens lui filer un déguisement. Qu'est-ce que c'est? Ah, la tenue de ninja. Un uniforme ninja. Il est authentique, c'est moi qui l'ai fait. Ne me dis pas que tu veux que je porte ça. Bien sûr que si, un ninja digne de ce nom se doit de porter l'uniforme. Mais je ne suis pas un ninja. Bon, quand tu seras décidé, rends-toi à Senryo Avenue. Il y aura un réception ninja à l'entrée du dojo. Très bien, je vais essayer. Ça sent les épreuves compliquées. Hein. Bon alors, attends, on va aller voir si on a accès au dojo. Je sens que ça va être n'importe quoi cette mission encore. Allez, alors attends, faut que je sorte du café déjà. Ah, je casse quelques tables en sortant hein, toujours. Le respect. Hein. Le respect de l'établissement. Alors est-ce qu'on y a accès au jour à cette affaire? Ça a l'air d'être par là. Allez, go. On est presque pas à côté. Ah, il y en a qui m'ont repéré, bon c'est pas très grave, je sais pas s'ils vont me suivre, on verra bien. Alors eux du coup ils vont pas me détecter. Hop. Le skate est un peu rapide hein, pour ici, hein. Vu que c'est assez dense. Ah merde. Alors là ça pue par contre, parce qu'il y en a un qui est vénère. Il m'a tapé direct d'ailleurs. On va passer quelques EX ici parce qu'en cause de celui qui est en violet, qui est je sais pas où d'ailleurs. Ah, qui doit être là. Je vois rien. Attendez. Laissez-moi sortir du bâtiment, je vois rien. Ok, pas assez s'embêter par celui-là. Alors on était où là? C'est moi, le GPS il me fait passer par toutes les meilleures ruelles douteuses de Kamurocho. Non, par contre, il va falloir que je prenne un petit bento. Hop. Voilà, nickel. Alors, si on a bien compris, ça va être une série d'épreuves. Ah non. Merde, j'aurais dû me déguiser, non? Ouais, j'ai oublié de me déguiser. Si je mets pas ma tenue ninja, ils vont pas me reconnaître. Attends, je l'ai pas équipé là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, merci. Ah non. Voilà. Gros laissez passer, hein. Il suffit juste de se présenter avec une tenue ninja et tu passes comme de rien. Alors, c'est un dojo, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, je ne sais pas à quoi je m'attendais après tout. Tous ces élèves ont dans leurs uniformes, ils en font un peu trop. Comment tu t'en sors avec les techniques du souffle dragon mystique? Tu craches déjà des boules de feu? Pas vraiment. Je tiens mal l'alcool, donc si j'en avale par accident, j'ai la tête qui tourne. Ah oui, à ce rythme, tu vas te retrouver en territoire ennemi avec un coup dans le nez. Et te faire décapiter. C'était une école de ninja ou une convention de cosplay? Salutations étrangers. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Ah. Non, en effet, je m'appelle Yagami. Je suis venu m'inscrire. Je m'appelle Kitsune. C'est un honneur de vous rencontrer. Kitsune, c'est vraiment votre nom? C'est le nom qui m'a été donné par le maître Kalachnikov lui-même. Considérez ça comme un nom de code. Je ne savais pas que ça se faisait chez les ninjas. Extrême ninja. Regardez, notre maître vient d'arriver.
silence. Écoutez, vous devrez la répéter aussi, donc mieux vaut la mémoriser rapidement. Notre sable a pour fourreau un cœur battant. Car nous nous offrons aux ténèbres. Nos corps et nos esprits ne font qu'un, car nous sommes nés pour mourir. Croyez-le, croyez-le. Tous les ninjas disent ça. J'ai quelque chose à vous annoncer. Notre récession ninja m'a informé que nous avions un aspirant disciple parmi nous. De qui s'agit-il ? Veuillez vous annoncer. Bah, c'est moi. Bonjour, Yagami, détective privé. Regardez, j'ai la tête de l'emploi quand même. Bonjour tout le monde, c'est Yagami. Vous avez une allure saisissante et un physique athlétique. Bien, je fais pas mal d'exercices. Je m'entretiens. Vous avez de l'expérience en tant que ninja ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ah, ne vous en faites pas. À vrai dire, je serais surpris de rencontrer un pratiquant expérimenté de nos jours. Ça m'a l'air d'être un brave type, finalement. C'est un plaisir de pouvoir enseigner le ninjutsu dans le pays qu'il a vu naître. Même si l'époque où les ninjas dominaient le champ de bataille est révolue, j'en suis conscient. Pardonnez ma curiosité, mais vous êtes russe, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir ninja au Japon ? Très bonne question. Voyez-vous, la fondation de l'école ninjutsu Kalachnikov remonte à l'ère Sengoku. Mais c'était il y a quoi ? 500 ans ? Il y avait déjà des ninjas en Russie à cette époque ? Peut-être avez-vous entendu parler de la grande guerre qui a fait rage entre les ninjas d'Iga et de Koga. Un homme et une femme de ces deux clans sont tombés amoureux, en dépit des risques que cela comportait. Conscient des foudres que leur union s'attirerait, ils ont décidé de s'enfuir ensemble. Ils savaient très bien que dans le monde des ninjas, on ne pardonne jamais aux traites. Leur fuite les a d'abord conduits à l'extrême nord du Japon, puis en Russie. Par chance, leur histoire ne s'est pas soldée par une tragédie. Car je suis l'un de leurs descendants. Sacrée histoire. Maître Yagami, si c'est bien cela, si vous souhaitez devenir l'un d'entre nous, vous devrez surmonter nos épreuves. En quoi consistent ces épreuves exactement ? En une série d'exercices qui mettront au défi votre endurance et votre détermination. Il faut être fort, de corps comme d'esprit pour survivre à mes leçons. Sachez qu'aucun de mes camarades russes n'a su surmonter ces épreuves et il s'agissait de militaires. C'est aussi dur que ça alors ? Suivez-moi, je vous montrerai la voie du ninja, mais d'abord, vous devrez me prouver que vous êtes, que vous en êtes digne. On a peur. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Je crois que ça va être n'importe quoi les épreuves. Ah, déjà on va dehors, il n'y a pas assez de place dans le dojo. Pas déconner non plus. Dis-moi maître Yagami, avez-vous de bonnes jambes ? Assez bonne, je dirais. C'est bien. Des jambes solides, c'est la base pour un ninja. Autrefois, les ninjas devaient se montrer rapides et endurants pour pouvoir transmettre leurs informations. Par conséquent, lorsque l'on s'imagine quelqu'un qui court vite, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est celle d'un ninja. Les ninjas les plus rapides ont même été comparés à Hidaten, le dieu de la course à pied, et pouvaient parcourir jusqu'à 200 km en une journée. 200 km, c'est inhumain. La première épreuve me permettra de confirmer que vous avez la vitesse et l'endurance nécessaires pour devenir ninja. D'accord, que dois-je faire ? C'est simple. Vous devez m'attraper. Oh là là. Je sens que ça va être galère là, parce qu'à mon avis, lui, il doit pas être mauvais. C'est pas comme d'habitude, là, les trois lycéens après lesquels on court. J'ai mis la musique complètement décalée. Ah, je suis lent, je fais ce que je peux, hein, mon gars. Je suis pas ninjas, moi. Ah, j'ai raté. Je vais me péter la gueule. Non ? On sait pas. Bah, ça va, l'endurance descend assez vite, hein. Pour le moment, ça se passe bien. Il est bientôt fatigué. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième barre ? Est-ce qu'il a la barre ? Hop !
Bon, ça va. Aucun problème. Vous courez comme un ninja, ça c'est sûr, mais je vous ai eu quand même. Vous êtes rapide, je dois bien l'admettre. Alors j'ai réussi ? Ne vous emballez pas, regardez autour de vous. Ouah, il y a combien de ninjas là ? Quand sont-ils arrivés ici ? Je pensais qu'ils étaient encore au dojo. Vous m'avez juste pour chasser alors que je courais. Eux ont utilisé leurs aptitudes de shinobi pour escalader les murs et les bâtiments afin de prendre le chemin le plus court. Et contrairement à vous, aucun d'entre eux n'est essoufflé. Les obstacles ne sont que secondaires pour un ninja. Remarquez un point. Maximisez votre efficacité tout en économisant votre endurance, un principe fondamental du ninjutsu. Je vois, c'est bon à savoir. Bon, passons à la deuxième épreuve. Alors, j'espère qu'il y a une épreuve avec des chats, hein. On nous taquait, nous. Oh la merde, les fléchettes! Oh putain. Ah non. Alors, il n'est pas meilleur endroit pour pratiquer le lancer de shuriken. J'espère que vous parlez de fléchettes, le principe est le même. Vous en êtes certain? L'épreuve commence. Et ne vous retenez pas. Alors, attends. En plus, moi j'ai les fléchettes de base, alors j'ai bien galéré. Hein. J'ai toujours pas trouvé de meilleures fléchettes. Hein. Tu me fais ridiculiser. Yoroshiku. Parle vachement bien japonais pour un russe. Hein. On va encore se faire ridiculiser, vous allez voir, fléchettes. On se rappelle, hein, la petite amie, elle nous a ridiculisé. Hein. Emily, elle nous a mis un lavement. Ah, trop haut. Non, ça va, c'est passé ? Ouais, gentil, je veux. C'était un peu tôt. Hein. Oh là là, complètement raté. Puis il est bourré là, Yami, là. Putain, qu'est-ce que c'est sensible. Là, celui-là est bien. Mais on n'est pas très bien parti, hein. Parce qu'à mon avis, l'autre, il va faire un coup du chapeau. Ah non, ça va, il a l'air de jouer comme un pied. Oh, il est nul à chier. Voilà, c'est bon. Il est moins fort qu'Emily. Il râle en plus. Ça, on a une chance. Ok, 50. Base. Quand Igami, je sais pas ce qu'il a pris, mais il tremble. Oh là là, on rate complètement celui-là. Il y a toujours un que je rate complètement. Je me demande si le curseur va pas plus vite sur un des lancers. Bon. Triple 14. Ah, un petit 50. Bon, il se rapproche. Bon, attends, on devrait pouvoir finir là si on joue pas comme un gros pied. Qu'est-ce qui me dit triple 19 et double 11. Alors attends, triple... Déjà je vois même pas le 19. Tout va bien. Ah oui. Alors attends, ça peut être gagné cette histoire. Oh là là là. Ok, triple 7, on y était presque hein. Alors...
Mais qu'est-ce qui bouge là, Yagami? La dernière fois, il bougeait pas comme ça. Ok. Alors, le simple 8, on est bien capable de le rater. Hein. Ok. Non sans difficulté, mais voilà. Ah, parce que là, j'ai vraiment la... Merci Rafi. J'ai vraiment les fléchettes de base. Hein. Quand t'as les fléchettes craquées, le truc qui bouge à peine pas et l'espèce de jauge là qui bouge, elle, enfin, je crois que la zone est plus grande en fait. Au centre, si la mémoire est bonne. Enfin, genre vraiment pour rater avec les fléchettes au max, faut en vouloir. Ils dessinent, ils font un smiley. Vous voyez la différence? Voilà la technique d'un véritable shinobi, le résultat d'un millier de lancers par jour. Ça fait beaucoup. Tout ça n'a rien à voir avec le vrai ninjutsu, comment peut-il avoir autant de disciples? Bien, dirigeons-nous vers le lieu de la troisième et ultime épreuve. Quoi, ça va être un combat? Ah, si c'est de la batte de baseball, je suis pas bien. Merde, c'est une course de drone. Ah, il y a un chat. Attendez, là on a notre chance. Hein. Par contre, si c'est une épreuve avec un chat, on est là. Un chat a un message à son collier. Ah dans son collier. Je viens de recevoir un rapport de mes espions. Maître Yagami, je dois admettre que vous m'avez dupé. Même moi, je préférais ne pas le croire. Nani? Ah, ça va être un combat. Oh là. Ça joue à épée réelle, hein. Mais maintenant que je sais que c'est Ryan qui vous envoie, trêve de bavardage. Bon, attends. Oh, il était nul à chier, lui. Allez, fort. Maître Yagami, vous m'impressionnez. Désolé, je ne pensais pas être démasqué. Vous avez réussi. Il s'agissait de votre dernière épreuve, et je suis fier de vous accueillir parmi les disciples de l'école de Ninjutsu Kalachnikov. Ne venez-vous pas de dire que j'étais un espion? En effet, et qu'il en soit ainsi. C'est même tout à fait normal, tous les ninjas sont des espions quand on y réfléchit. Ouais, c'est all it. Vous êtes rapide, agile et maîtrisez l'art du déguisement. Ce sont là toutes les qualités d'un vrai ninja. C'est plus que suffisant pour devenir mon disciple. Vous êtes sûr? Je pourrais bien finir par vous dérober certains de vos précieux secrets ninja. Ça ne m'inquiète guère. Même si vous lui transmettez les secrets de notre école, je doute que Maître Ryan soit capable de les exploiter, vous verrez. Il est sûr de lui, mais maintenant que j'y pense, je ne sais toujours pas comment il a piqué les élèves... de Ryan. Les épreuves qu'il m'a fait traverser étaient assez difficiles, son entraînement l'est encore plus, je ne vois pas pourquoi il reste ici. Pourquoi est-ce que ça fait toujours aussi mal? Tu m'as frappé beaucoup trop fort, ces gars-là ne sont pas endurants pour un sou. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Kunoichi blonde. Eh hey les gars, devinez l'heure qu'il est. C'est une Kunoichi, une femme ninja. Quelle tenue? Sophia. C'est l'heure de la pause. J'ai fait du thé et des bento, alors qui a faim? Moi j'ai faim. Ah voilà pourquoi il reste là. Vous êtes battus les garçons, j'espère que vous n'êtes pas blessés, tout va bien, ça fait partie de l'entraînement. Et mon frère est tellement sévère, vous avez vraiment beaucoup de courage. Ah bien sûr, ils étaient tous sur le point de s'évanouir il y a 2 minutes. Je commence à comprendre comment il fait. Ah non. C'est qui elle? Ma sœur, Sophia Kalachnikov, c'est notre Konoichi cuisinière. D'après réception ninja... Enfin réception ninja... Konoi chef, c'est quoi la suite? Je vous ai mijoté votre plat préféré, des délicieux steaks hachés. Un menu complètement japonais. Hein.
J'adore tes steaks hachés, tu es génial. Et c'est... Est-ce que c'est elle la raison pour laquelle l'école Kalachnikov est si populaire? L'essence du cosplay sexy, tant que Sofia ne se servira de ces techniques, je ne perdrai jamais face à une autre école. Jamais, on dirait qu'un mystère est résolu, mais je ne sais pas trop quoi en tirer. Je vous demande pardon, je peux vous aider? J'aimerais bien rejoindre votre dojo. Comme c'est excitant, mais les règles sont vraiment strictes, vous savez, il faut traverser des épreuves très difficiles. Ne vous en faites pas, mes vieux os sont plus solides qu'ils en ont l'air. Ah bah oui, c'était le succès. Ça c'est le successeur de Ryan. Hein. Une fois que la technique de ma sœur s'attaque à vos esprits, vous ne pouvez plus fuir. L'essence du cosplay sexy, quel concept? Ah, 100 000. On a presque 1 000 yens. Hein. Et voilà, impossible, un vrai ninja est censé renoncer au plaisir terrestre. Comment maître Asakusa a-t-il pu succomber face à ce stratagème? Soyez maudit, Kalachnikov, je ne pourrai jamais vos crimes. Ne me dites pas que tu as l'intention de te venger. J'en ai pas seulement l'intention. Nous allons nous affronter dans un duel à mort. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Kalachnikov faisait partie de l'armée et il risque de t'écraser. Alors qu'il en soit ainsi, je ne supporterai pas un tel affront. Dieu et le ninjutsu sont de mon côté. Bon, il y aura une suite. Hein. Bon d'accord, j'imagine que j'ai intérêt à assister à ce combat. Ah mais c'est tout de suite? Ah, je pensais qu'il y a une deuxième partie à la quête, moi. Ah ouais, c'est tout de suite, là. Tu vas vraiment affronter ce type? Je n'ai pas d'autre choix. Si je dois sacrifier ma vie pour le tuer, alors qu'il en soit ainsi, la mort fera de moi une légende. Doucement, mon gars. Attends, c'est qui lui? Ah bah, ok. Je l'avais pas reconnu. Maître Ryan. Ah, je vois que mon pleutre de rival s'est enfin montré. Écoutez, je ne souhaite pas verser le sang en vain. Cet affrontement est inutile, mes ancêtres l'ont bien compris il y a 500 ans lors de la Grande Guerre. Épargnez-moi vos misérables platitudes, un shinobi n'a parfois pas d'autre choix que de se battre, et je préfère mourir que vivre dans la honte. Très bien, alors trêve de bavardage, préparez-vous, car je ne me retiendrai pas. Amenez-vous, je vais vous griller comme un mochi au charbon de bois. Mon frère, arrête, ça va trop loin. Ce n'est pas ton combat, Sophia, reste en dehors de ça. À qui ai-je l'honneur? Maître Ryan, veuillez m'excuser mon frère pour les problèmes qu'il vous a causés, je vous en prie, restons en... Ah bah évidemment, lui aussi, il va succomber à son charme. Oh là là, ah, c'est compliqué. Hein. Je vous supplierai à genoux si nécessaire. Sa technique, elle est trop puissante. Maître Kalachnikov, oui? J'ai décidé de vous proposer une trêve. Nani? Si vous deviez mourir ici, votre chère sœur en aurait le cœur brisé. Je ne saurais être aussi cruel. J'accepte vos propositions. Je veux dire... Je viens d'avoir une super idée. Et si nous unissions nos forces en combinant notre savoir et notre talent, nous pourrions mettre les ninjas sur la voie du progrès. Eh bien, ce serait effectivement plus sage que de se battre. J'aurais peut-être dû y penser dès le début. Vous êtes sincère? Absolument. En fait, j'aimerais même que vous rejoigniez mon dojo en tant qu'instructeur spécial. Nous feriez-vous l'honneur de nous guider sur la voie de Ryan? Tout l'honneur serait pour moi. Comme ça, je pourrais voir Sophia tous les jours et me concentrer sur les ninjutsu. Malheureusement, nos finances sont au plus mal. Vous ne gagnerez rien et vous devrez payer un loyer mensuel. Si seulement les ninjutsu pouvaient transformer l'air en argent. Je comprends tout à fait. Enfin, votre école dispose de tous les trésors dont un ninja puisse rêver. Merci à vous, Maître Ryan. Merveilleux, Maître Ryan. Pourriez-vous m'apprendre quelques secrets de ninja à moi aussi? Maître Sophia, je vous confierai tous mes secrets sans hésiter, croyez-le. Même Ryan n'a pas pu résister à son cosplay, ce doit être une vraie pro. Ah, quelle histoire. Ah, ça aurait été dommage de rater cette quête. Hein. Eh bien, j'imagine que cette affaire est résolue, comme tu dis. Comment ça, affaire résolue? Tu t'es tout juste laissé séduire, mec. Tu ne comprends pas, je pense uniquement à l'avenir du ninjutsu. Maître Ryan, j'arrive, Maître Sophia. Mes excuses, Maître Yogami, je dois y aller. Devine qui veut s'entraîner avec moi aujourd'hui. Devine qui est venu me voir. Bah voilà, une affaire qui se termine bien. Bandeau d'entraînement. On reçoit un petit objet. En plus de la prime. Alors... Hop. Alors, on est là. Tac. Est-ce qu'il faut que je m'arrête manger un resto? Ouais, je peux m'arrêter manger un resto vite fait. Ah, le resto de la vache. Une vache, s'il vous plaît.
Je vais prendre... Il y a une salade, mais j'ai pas de thunes. Et tu rentres dans l'antre de la viande et tu prends une salade. C'est le mec qui te regarde mal quand même. Soit qu'il te regarde un peu de travers. Alors attends, fais voir... Merde, j'ai lancé quoi ? Là. Calme-toi les DLC, non, je n'achèterai rien. J'ai combien de points ? 11 000 maintenant, il en faut... c'est 80 000. C'est beaucoup. Ah sinon, à 20 000, il y a le boost attaque niveau 4. Peut-être viser ça. Ça peut être vraiment pas mal. Ah, je suis bloqué dans le mur avec mon skate. Pas bien. Ok. Est-ce que ça a débloqué une autre affaire ? Ah, non, c'est... ah si, on peut passer de ce côté. D'accord, on peut passer des deux extrémités. Juste qu'on peut pas passer au milieu. Ok, non, on a un autre. Allez, petite pause et on continue l'histoire principale. A tout de suite. Allez, on reprend notre aventure. Et donc, on va aller se coucher sur le canapé. Il faudra qu'on recharge un peu des barillex là, parce que j'en ai pas mal utilisé du coup. Kaito qui est là. Voilà. Tu en as mis du temps. J'ai cru comprendre que tu allais à Jinjo pour parler à Madame Sawa. Ah oui, c'est vrai que lui, il est à fond sur la prof. J'ai oublié. N'oublie pas que tu ne peux pas venir avec moi. Tu n'as pas le droit d'entrer dans le lycée. Ah. Je sais. Mais si ça se finit encore dans un café, pense à m'appeler cette fois. Tu es sûr d'avoir bien compris la situation ? Madame Sawa est peut-être impliquée dans le meurtre de Mikoshiba. Tu penses pas que c'est toi qui es juste à côté de la plaque ? Allez quoi ? Elle ferait jamais un truc pareil. Il se trouve que je cerne vite les gens, surtout les femmes. Heureusement qu'il n'est pas venu avec la mission, avec nous à la mission Nijitsu là. Je pense qu'il aurait, il se serait inscrit directement au dojo. Et donc, bah là, on va aller... Attends. Ah, attends, on va peut-être avant... On va peut-être regarder s'il n'y a pas la mission du braquage. Puisque là, on est deux jours. Ça vaut le coup d'aller voir avant de partir. Parce que là, il va falloir prendre un taxi, j'imagine, pour... Bah, si c'est le cas, hein, parce que ça se trouve, ils vont nous emmener directement. Mais je pense qu'il y a un taxi à prendre pour en retourner à Yokohama. Hein. Alors, attends, cette fois-ci...
Ah bah tiens, il faut qu'on tape des gens là, ça tombe bien. Ah, j'ai raté la chope. Oh bah dis donc, il est vénère lui. Alors, il faut... Alors, je me souviens déjà plus. Il faut passer dans un bâtiment... Attends, comment c'est ? Ouais, voilà, c'est là. Il faut monter ici. Non, c'est pas là. Ah non, c'est pas là. Attends, parce que voilà, là, normalement... Non, c'est à côté. Ici, il y a un message comme quoi... des choses, il faut faire le tour et attends, normalement il y a un escalier, je sais plus où il est déjà. Faire le tour du bâtiment, non c'est pas là. Attends, il y a un endroit normalement pour rentrer. Non, c'est pas là non plus. Mince, j'ai vu comment j'avais fait parce que j'avais été la dernière fois. Non, c'est pas là. Ah merde! C'est les relous là. Est-ce que si se déclenche le chien, ça les cancel? Hop. Yoshi, yoshi. Yoshi, yoshi. Oh nickel. Qu'est-ce qu'il a vu le chien? Ah il y avait un objet. Ah, de l'ail. Bon c'est bon. Allez. Ah j'arrive pas à me souvenir où c'est là. Attends, il faut peut-être que je fasse complètement le tour du bâtiment. En fait, on cherche un moyen de prendre des escaliers et après tu vas au premier étage. Ça doit être de l'autre côté en fait. C'est pas ici. Ah, qu'est-ce qu'il a vu? Attends, il a vu quelque chose. Hop, vu le mystérieux. Ah, je crois que c'est par là. Il y a un endroit. Ouais, c'est ici. Ok. Voilà, comment... Hop, on rappelle le chien. Et ensuite. Voilà, là. On descend. Normalement, voilà. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Ah non, c'est pas là. Ah bah non, alors j'ai pas compris la mission. Ok, c'était pas une histoire ces deux jours ou de... Parce qu'ils disent, on peut pas rentrer par le côté là. Tiens, je peux fumer. Profiter. Ah bah non, il y a plus de cigarettes. Je crois qu'on en rachète. Ouais, ils disent rentrez pas. Ah, il faut peut-être crocheter ou... Non, il n'y a pas un truc genre... Peut-être écouter ce qui se dit, non?
Faut jouer au shogi, c'est pour compléter l'enquête. Ah, bah j'étais persuadé que c'était ça. Ah, il y a un chemin par là, sinon, tiens. Pour y aller plus rapidement, sans passer par le bâtiment. Bon, bah je sais pas. Je vois pas comment elle se complète, cette quête. Ou alors, il faut avoir fait un truc particulier ailleurs. Bizarre. Alors, petit coup de chat. Ah, ça c'est... Cacahuète. Cacahuète, il est maxé aussi, il me semble. On va le caresser. Yoshi, yoshi. Très fait, 4 feuilles. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas comment on fait cette quête. Parce qu'il me semblait qu'il disait faire le tour du bâtiment parce qu'on peut pas rentrer par là. En fait, grosso modo, il y a un tournage, mais ça a l'air de vraiment mal se passer. Et du coup, je sais pas pourquoi. Alors, soit j'ai pas réactivé le trigger, soit il y a un truc à faire. Peut-être que je réactive. Je dois dire que je n'ai jamais vu Café Alpice utiliser une des enseignes jusqu'à maintenant. Ah. SOS. Ah oui, voilà, j'avais pas tout fait. Est-ce que ce sera un vrai braquage? J'espère que non. Mais si j'ai raison, la situation est grave. Je dois aller voir ce qui se passe. Peut-être passer par la porte de derrière. Mais c'est ça, c'est que j'avais pas réactivé le... Ah, mais non, d'accord, c'est complètement automatisé. C'est fermé à clé. En même temps, c'est une urgence. Ah bah tiens, on va le refaire. Enfin, c'est... Alors, on en a très peu, hein, de crochetage dans cette version. C'est assez marrant, ça. Merde. Hop. D'ailleurs, on n'a pas de compétences de crochetage à monter. Ça reste du premier jeu, mais... Ouvre la caisse ou tu crèves, compris? Je vous en supplie, je ne peux pas l'ouvrir, je vous jure. Je le savais, l'enseigne indique qu'il y a un braquage et pas un tournage, je dois appeler la police. Ça ne mène à rien et puis merde. Maintenant donne-moi l'argent ou je la bute sous tes yeux. Ça craint, je n'ai pas le temps d'appeler les flics, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire sans risquer la vie de quelqu'un? Comment je pourrais m'approcher? Alors attends, ça va être une histoire. Bon attends déjà, hop. Il y a tellement de boîtes, j'imagine qu'elles finissent toutes ici, mais elles ne sont pas censées être pillées. C'est vrai que celle-là est grande, je pourrais peut-être me cacher dedans. Attends, pas maintenant. Oh, tu peux faire carrément une vraie séquence avec MGS. Attends, je voulais voir si j'avais tout... Il y a les tonneaux. Attends, je vais prendre ça. Caillou. Tu peux te déguiser avec... Ah oui, c'est la mascotte! C'est ça la mascotte. Ah oui, il y a la mascotte, là. Attends, mais si je me déguise en mascotte, il va pas y croire deux secondes, non? Pour une utilisation promotionnelle lors du lancement du menu collaboration. Ça explique pourquoi c'est là. Est-ce que je pourrais me permettre de me rapprocher du braqueur? J'ai aucune idée. Hein. Je suppose qu'il ne s'attend pas à ce que Ochumiju le fonce dessus. Peut-être le surprendre comme ça, mais est-ce que je devrais? Ça paraît un peu tiré par les cheveux. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'attaquer à un braqueur en déguisé en tant que... je sais pas. Mais la caisse, ça va pas marcher non plus. Ah si, apparemment c'est... le carton, pardon, ça a l'air d'être vraiment le carton. Oh ouais, cette référence à MGS. Nani ? Et là c'est une boîte vide. Ah merde, on se fait repérer. J'y étais presque, mais au moins son attention n'est plus sur la femme. J'imagine que j'ai plus le choix. Homme répugnant. Il a plus son couteau d'ailleurs. Ah j'ai raté. Ça lui arrive de taper ou pas lui? Ok, il tape 0. Par contre on a foutu le bordel hein, dans le café. Hein. Qu'ils vont pas nous demander de payer. Ouais. C'est fini, arrête de résister. Pendant ce temps, voilà le flic. Police, on nous a signalé un vol à main armée. Voici le coupable, j'ai réussi à le neutraliser. Eh vite, cours. Ouais, mais attends, ils sont tous de mèche. Pourquoi elle l'a aidé? Ça
Sérieusement ? Attention, c'est une complice. Je vais le rattraper. Allez, une petite course poursuite. Par contre, il y a vraiment beaucoup de courses dans le jeu. Bon, ça va, elles sont pas désagréables, mais alors, disons. J'ai l'impression qu'ils ont enlevé les filatures et qu'ils ont mis ça en majorité. Ah, je l'évite, ton vélo. Comme il se déplace en glissant. Il a complètement glissé sur le sol, hein, le cambrioleur. Merde, je me suis planté le bouton. Hop. Je peux pas lui envoyer ça. Hein. Non. Je peux pas lui envoyer ça non plus. Ok. Il n'y a rien à lui envoyer là. C'est le moment où il tourne en rond là. Ah merde, je me suis pris lamentablement le mobilier urbain en pierre. Mais voilà, c'est bon. On l'a rattrapé de nouveau. 50 000, ah bah ça valait le coup. Abandonne. Utiliser le tournage comme couverture, je dois avouer que c'était intelligent. Et avec une complice qui se fait passer pour une cliente. C'est pas censé se terminer comme ça. C'était pas ma guerre, colonel. Kamuro Police Station. Voilà, on va pas quand même s'en aller, Kamuro Cho. Aucun problème, je suis soulagé que personne ne soit blessé. Les coupables sont un couple marié. Ils ont récemment frappé dans tous les pays. Ils tirent profit de différents événements locaux pour commettre des crimes sans attirer l'attention. Alors pour ce coup-là, ils ont profité du tournage d'un film. Oui, mais ils n'échapperont pas à la prison cette fois. Merci encore, et le propriétaire des Alpes m'a demandé de vous remettre ça. Ah, Tactics, bombe fumigène. C'est un extrait ? Allez, il faut mieux te filer, merci pour tout. Ça nous servira sans doute. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as vu la scène seule au bureau 4 qui a fuité ? C'est un braquage dans un café, elle est incroyable. Mais ils viennent de la filmer, non ? Comment ça se fait qu'elle soit déjà sortie ? Quelqu'un a dû la filmer secrètement avec son téléphone pendant le tournage. Il faut que tu la vois, ça paraît tellement réel. Ouah, c'est nous ! Allez, on est une star. Star d'internet. Et ce type qui attrape le braqueur, c'est le personnage principal. On ne voit pas bien son visage sous cet angle. Tu sais qui c'est ? Je ne le reconnais pas. C'est peut-être son premier film. Il a l'air doué pour les scènes d'action. Avec un bon jeu d'acteur, il pourrait faire carrière. Je vais t'en montrer, moi, une scène d'action. Ah, non, mais non, ça fait de la pub pour notre agence, là. Alors. Bon. Bah écoutez, cette fois, on est bien. Est-ce qu'il faut qu'on aille manger un petit quelque chose ? Non. Non, parce que c'est en train de la vie doit être en train de recharger... On va aller prendre un petit taxi. Attends, il est où le taxi le plus proche là, ok, au bout de la rue. Et retour à Yokohama. Ah, il y avait les mots-clés bruit qui s'étaient mis à jour. Peut-être qu'il y avait une suite à la quête. Alors, ok, je vais aller voir Tsukumo. Mais d'abord, direction Chinatown pour se remplir le bide. Je vois que tu n'as pas le temps de t'ennuyer, Kaido. Il y a tellement d'endroits cool. Je devrais en visiter au moins 4 ou 5 par jour. Ah, c'est qui l'a vu ?
Regarde, c'est à coups de sous. Dis-vous là. Qu'est-ce que les gangsters de Kamurocho sont venus faire ici? Aktsu! Il nous voit pas. C'est moi, Kaito, le monde est petit. Je suis occupé là, désolé. J'ai piscine. Qu'est-ce que ce trou duc fait à Ijincho? Il a amené tous ses sbires avec lui. Tu penses que ça a quelque chose à voir avec nous? Non. Il a l'air surpris de nous voir. Ça va être autre chose. C'est quand même bizarre de les croiser ici. On est censé les connaître, non? Les Arkai préparent sûrement un mauvais coup. Ils étaient sacrément nombreux. Ouais, peut-être qu'ils ne font pas assez d'argent à Kamurocho. Bon, peu importe. Ce n'est pas une affaire. Tu devrais te dépêcher d'aller au lycée. On se retrouve après. Alors, attends. Voyons voir. Bon, déjà, je sais pas pourquoi bruit s'est mis à jour. Donc ouais, ok, faut qu'on aille au lycée, on a compris. Alors attends, petite save. Nickel. Alors, pourquoi bruit? Qu'est-ce qui se passe avec bruit? On y est. Je n'arrive pas à écouter la radio ici, il y a trop de bruit. D'accord, donc là, il y a une suite. Ah bah tiens, là, pourquoi j'ai réussi à pinguer, là? Enfin, placer un... Non, on n'est pas loin. Donc là, il y a une petite quête. Petite quête bruit. On peut y aller, hein. Allez. Alors attends, ça en fait, ça veut dire qu'il va avoir des RK ici aussi, non? Donc il y a peut-être, il doit avoir des ennemis violets maintenant, je pense, aussi, ici. Ouais. Histoire de bien nous embêter. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a des ennemis violets aussi, ici. Parce que pour le moment, j'étais juste Kakamurocho. Évidemment, maintenant, ils sont là aussi. Ah oui, il y a du monde. Hop. On va tracer. Alors, on pourra aller voir aussi Emily, qu'elle nous ridiculise pour aller faire un peu de batte de baseball. On va être nul. Alors, c'est ici, apparemment. Pas du tout. Est-ce que l'endroit correspond? Ou ça m'a mis un truc au pif et y a rien? Non, ça a l'air d'être là. Ok, donc un petit coup de détecteur. Dans la droite du premier coup. Signal qui venait du portefeuille. Détective Véreux, le portefeuille espion. Quelqu'un a dû le laisser tomber par terre par accident et je parie que son propriétaire ne soupçonne pas d'être placé sur écoute. Je vais le retrouver pour lui donner la bonne et mauvaise nouvelle. Ce portefeuille en peste. Ça doit être le parfum de son propriétaire. Ah, le chien. Ça veut dire le chien, ça. Hop. Dogo style. Allez, on dit qu'il a fermé la piste, à toi de jouer. Kochi. Cassez-vous, je prends une de mon chien. Peu d'espace, s'il vous plaît. La bestiole a besoin de se concentrer. Ah, je peux pas aller ramasser l'objet? Merci. Non, il veut tourner là. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est par là. C'est là. Ça y est, il a trouvé. Quel adorable toutou.
Tu aimes vraiment les chiens. Ah t'en as un frère. Hein. Excusez-moi, ce portefeuille est à vous ? Merde, encore ? C'est bien le mien. Comment l'avez-vous deviné ? C'est grâce au flair de mon coéquipier. Oh, t'es une gentille bouille de poil, toi, hein ? Au fait, j'ai retrouvé votre portefeuille parce qu'il émettait un signal. Vous saviez qu'il y avait un micro dessus ? Vous êtes sérieux ? Oui, j'en suis sûr et certain. Est-ce que ça serait pas ta femme, quand même ? Tu m'as dit qu'elle était super méfiante ces derniers temps. C'est une blague ? Votre femme a peut-être engagé un détective pour vous espionner. Un détective ? Vous croyez que c'est lui qui essaie de me faire chanter ? Vous faire chanter ? Vous pouvez m'en dire plus ? Justement, j'essaie de retrouver le détective en question, alors peut-être que je pourrais vous aider. Je vais tout vous dire. J'arrête pas de recevoir ces emails de menaces. Et en pièce jointe, il y a toujours une vidéo de Mi et moi dans une situation compromettante. Attends, quoi ? Le maître chanteur a dit que je devais lui donner 1 million de yens si je voulais pas que ma femme la prenne. Ça ressemble beaucoup au détective que je recherche. Il doit essayer de vous rouler, votre femme et vous, pour vous soutirer un maximum d'argent. Vous avez déjà payé ? Oui, je me suis dit qu'avec une telle somme, il me laisserait tranquille. Est-ce que vous l'avez déjà vu ? Non, malheureusement, c'est seulement parlé en ligne. Tout ce que je sais, c'est qu'il travaille pour une agence de détectives clandestine. J'en étais sûr que c'était le même mec. N'hésitez pas à me rappeler si vous embête à nouveau. Mon numéro est sur la carte, je vais pouvoir vous aider. Mais à une condition, vous commencez par tout avouer à votre femme. À vous de régler vos histoires. Je ne fais pas ce métier pour aider les époux infidèles. Ok. Ça fait un moment que tu dis que tu veux la quitter. Il est peut-être temps de passer à l'acte. Ouais, on verra. Il essaie d'arnaquer ses propres clients. Ce détective est vraiment une ordure. J'espère le retrouver bientôt. Ok, donc là, on a avancé sur cette quête qui a plusieurs... Wow, ça nous fait gagner 50 000 yens. Ça y est, on a atteint le million, d'ailleurs. Bah d'ailleurs, il y a une nouvelle, visiblement... Il y a un nouveau truc. C'est où ? Ok. Ouais, c'est marrant là, je peux mettre des balises. Alors que quand c'était avec les capas, je pouvais pas. Alors. Hop, on en a combien ? 22 000, je peux avoir mon boost d'attaque. Parfait. Là, sur eux, je peux charger éventuellement ma barre. Ils sont du lycée, eux. Oh, ils se vénèrent, eux. Voilà, tiens. Moi aussi, je me vénère. À grand coup de vélo. Alors. Tac. Ah, pas prendre d'objet. Hop, faire de terre. Il y en a des trucs ici. Hein. Cailloux. J'aurais pu m'arrêter au resto. Parce que là, je crois où je vais, il n'y en a pas. Il n'y a que des bars ici. Attends, mais c'est moi ou... Pourquoi ça va où ? Ah, c'est le même endroit qu'au lycée ? Ah, je crois que c'était plus haut. Ah ouais, c'est devant le lycée, en fait, apparemment. Ok, je crois que c'est plus haut que ça, encore. Alors, attends, détecteur. Je sais pas s'il y aura besoin de rentrer... Peut-être pas besoin de rentrer au lycée, enfin, on va voir. Non. Merci. Ah, c'est à l'intérieur.
C'est où? C'est la porte du lycée? Waouh! Trouver la source du signal. Attends, what? Faut que je rentre dans le lycée, c'est ça qui veut venir le jeu? Attends, ça c'est la quête principale. Qu'est-ce qu'il y a au quatrième étage? Alors attends, ah oui, parce que ça a dû débloquer des intrigues de lycée maintenant. Tout a dû avancer, non? Non, ça c'est encore bloqué. Il y a le club de robotique qui peut avancer. Bon, la salle de boxe également. Ok. Donc il y a le club de robotique qui peut avancer. Pour aller faire un petit coup de club robotique. Hein. Et la salle de boxe. Dac. Et après, je sais pas par contre, est-ce que je suis censé suivre une... Ah oui, oui, oui. Il y a un truc là. Casse-toi. On va faire une recherche là. Je suis là pour le travail. Alors je sais pas par contre. C'est peut-être dans la cour. Hein. Ça a l'air d'être en direction de la cour. Cafétéria? Ah oui. Ouais. Ah, attends. La poubelle? Ouais, la poubelle. Je peux y aller là derrière? C'est qui là? Non, je peux pas y aller là. Donc ça va être dans la cafétéria. Ah, désolé pour le bruit, hein. Ça y est, on l'a. C'était dans un des distributeurs. Une caméra espion. Elle est positionnée pour regarder sous les jupes. Oh là là. Attends, mais qui vaut vert après? Qu'est-ce que je fais après, une fois que j'ai la caméra espion là? Mais sérieux le jeu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, putain, elle a disparu la caméra. Et y en a plusieurs? Hmm.
Bah ouais, mais on a trouvé la source du signal. Y'en a d'autres ? Ah mais attends, faut suivre... Oui, il y a une autre direction là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que cette mission ? Ah ouais, il y a plusieurs trucs à trouver en fait. Gymnase ? Ouais, ça va dans le gymnase. Hein. Ah. Ouais, ça va dans le gymnase à la porte là. Ah, c'est là. Encore une caméra ? Donc, deuxième caméra espion trouvée. Alors, tu veux ta revanche ? Ouais, c'est parti. Les filles, vous jouez souvent au basket ici et en uniforme ? Ouais. C'est le soutien en uniforme dans le coin, j'imagine que c'est ce que filment les caméras. Vous êtes Monsieur Agami, Club des Mystères, pas vrai ? Les filles du club de danse m'ont dit que vous étiez en super forme. Ouais, comme Olivier Tom. Monsieur Agami, vous faites une petite partie avec nous ? Désolé, le devoir m'appelle. Mais vous venez nous demander si on joue en uniforme, ne me dites pas que vous travaillez, j'ai l'impression que vous voulez vous amuser vous aussi. On se calme, hein. Très drôle. Alors, pourquoi cette question ? Ça suffit. Regarde, il devient tout rouge, c'est adorable. Vous êtes toujours si sérieux, je ne savais pas que vous aviez aussi un côté mignon. Un bon sens, lycée. Je me casse. Je vais faire du robot, moi, ça va vous calmer. J'aurais dû leur dire que je suis spécialiste en robot. Ça les aurait tout de suite refroidi. Bon. Et du coup, ça veut dire qu'on a encore des trucs à trouver, alors. Que ça a pas l'air d'être encore terminé, ça. Ah, c'est bizarre, parce qu'ils nous ont pas dit, il faut trouver... Ouais, il doit encore en avoir, hein. Ça me dit pas qu'ils en ont mis un autre là. Non, ça va se situer... Ouais, derrière la porte là. Alors, où c'est ? Le banc ? C'est bizarre. Un autre à l'intérieur ? Cette direction, ouais, la porte, hein. Et après par là. C'est bizarre.
Ah, c'est peut-être sous le gymnase. Donc c'est au club de danse peut-être. Ouais, ouais, j'ai une pensée qu'il y avait un truc en dessous. Ouais, ça va être en dessous, ça va être au club de danse. En dessous, au-dessus, ouais. Ouais, ouais, ouais. Nos esprits se sont croisés en même temps, à Fifi, ouais. Ouais, ça va être dans le club de danse. Attends, par contre, c'est peut-être pas là. Hein. Oh, si, ça a l'air de... Ça a l'air de se vénère, là. Attends, je vais prendre les trucs avant. Hop. Alors, c'est où? Hop. Il y a l'autre? Il y a une caméra espion dans le club de danse, mais pourquoi? Je reviendrai quand Nishinuzo sera là pour poser quelques questions. Ah, je peux pas avancer, d'accord. Donc là, je peux pas avancer... Ah, parce que Nishinuzo, elle est pas là. Du coup, là, je peux pas avancer parce que je dois être bloqué par le fait que cette quête-là n'avance pas. Bon, ça, c'est un peu chiant parce que du coup, ça va rester en suspens. Mais comme j'ai pas assez avancé dans les chapitres de l'histoire, j'ai pas débloqué la suite club de danse, donc ça peut pas arriver. Donc attends, on va maintenant faire un tour club robotique, tant qu'on est là. Petit club de... Petit câble de qualité, pardon. Hop. Non, je suis pas rentré... Attends, je suis où là? Là c'est le club... Club des mystères, ok, c'est en face. Allez, un petit coup de robot parce que ça, ça s'est débloqué par contre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite partie là. Hop, petite sauvegarde ici. Allez, go. Il y a l'air d'avoir du nouveau. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, terminé. Sakura a l'air d'être à fond. Il s'est beaucoup amélioré. Il fait vraiment du bon travail pour être honnête. Itokura, c'est juste que j'aime tellement ce que je fais en ce moment. J'apprends plein de choses. C'est la première fois que je me régale à programmer un truc. À ce point-là? Ouais, je vais tout donner. J'ai vraiment l'impression qu'Itokura s'est adouci ces derniers temps. J'espère qu'elle va trouver le courage de retourner en cours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, coup de téléphone à un ami. Oh. Donc ça c'est Amasawa, donc du club des mystères. D'accord, donc là on n'a pas le choix. Un coup de club des mystères parce qu'on peut pas poursuivre l'enquête. Ça doit être bloqué tant que je vais pas voir Amasawa en fait. Hein. Donc attends. Il n'y a rien sur la carte, ouais, ça va être bloqué tant que j'ai pas voir, tant que je retourne pas au club des mystères. Là on va voir une petite scène cinématique. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Amasawa. Qu'est-ce qu'il y a Kyoko? Tu voulais me parler? Eh bien, j'ai commencé à enquêter sur l'incident du club de robotique de mon côté. J'ai découvert deux choses, l'une au sujet de leur sponsor et l'autre sur le passé de Kitegawa. Elle a trouvé quelque chose. Alors, le sponsor. Commençons par le sponsor du club. Si je me souviens bien, c'est une zone commerçante de la ville d'Okitegawa qui les finance. Eh bien en fait non, je suis allé me renseigner directement sur place et apparemment ils ont arrêté de les sponsoriser il y a 2 mois. Nani? Comment ça se fait? Nani? Le club demandait de plus en plus d'argent, alors ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus se le permettre. Attends, mais comment est-ce possible le club de robotique est loin de faire faillite? Et un lycéen ne peut pas gagner autant avec un simple travail à mi-temps si les sponsors les ont lâchés d'où vient l'argent? Monsieur Agami,
Le robot voleur aurait dérobé l'équivalent de plusieurs millions de yens au cours de ces incidents. Si une partie de cet argent était utilisée pour financer le club de robotique, c'est possible. Si cette théorie est vraie, Okitegawa s'aventure sur un terrain glissant. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours possible que le professeur et ses sbires soient mêlés à cette histoire. Okitegawa collaborait avec le professeur, je ne peux pas y croire. Alors, le passé d'Okitegawa. Dans son ancien lycée, il a participé à un concours de robotique et il est arrivé jusqu'en finale. Jusqu'en finale, ça c'est nouveau. Est-ce que les membres de notre club de robotique le savent? Je me le demande, mais il semblerait qu'il ait des choses dont Okitegawa n'ait pas envie de parler. Apparemment, il a quitté l'équipe juste avant la finale. Pourquoi? Juste avant le match, ses parents ont divorcé et il a dû changer d'établissement. Je vois. C'était très soudain et ça l'a vraiment affecté. C'est donc pour ça qu'Okitegawa tient à tout prix à gagner le tournoi. Ça ira pour un moment. Ok, donc ça, on a appris un petit peu plus et j'imagine... Ouais, on peut avancer. On peut avancer en allant au club de robotique. Allez, tac, on y retourne. Je ne sais même plus où c'est qu'on en est dans le tournoi en fait. Vous savez qu'on venait de commencer. On n'est pas encore en finale, mais je ne sais plus à quel tour on est. Alors, si j'arrive à ouvrir la porte. Merci. Alors comme vous savez, notre prochain adversaire lors du tournoi sera le club de robotique de l'université technique de Sasaki. Ils ont reçu le prix du jury l'année dernière, ce qui est presque aussi honorable que de remporter la victoire. Ils ont l'air vraiment forts. Ils le sont, oui. Heureusement pour nous, ils n'ont pas vraiment de stratégie particulière. Nous devrions pouvoir les vaincre si on s'y prend comme d'habitude. Le vrai problème, ce sera la suite. Si on arrive en finale, on devra affronter l'université des sciences de Toto. Les étudiants prétentieux la dernière fois. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont à nouveau décroché une place en finale cette année. Okitegawa, quel genre de machine utilise le club de l'université de Toto et quelle est leur stratégie? Je n'en suis pas sûr. De toute façon, ils changent de machine et de stratégie avant chaque match. Cependant, j'ai réussi à me faire une petite idée en analysant les matchs de cette dernière année. Il y a deux stratégies possibles. La première est une stratégie d'anéantissement total. Ils paralysent l'adversaire en déployant l'artillerie lourde. La deuxième est tout l'inverse. Ils se concentrent uniquement sur la défense. Ils renforcent progressivement leur défense, n'attaquent pratiquement jamais et alignent leurs pièces petit à petit. Ces deux stratégies sont radicalement opposées. À moins qu'on arrive à savoir laquelle ils comptent utiliser, on ne pourra pas les battre. Selon mes sources, ils prévoient de disputer un match d'entraînement la veille de la finale. Si on arrive à y assister, on aura notre réponse. La veille? Mais même si on y arrive, on n'aura jamais le temps de se préparer. C'est vrai. Et c'est pour cette raison que, pour parer à toute éventualité contre l'université Toto, nous devons développer deux machines différentes en parallèle. Nani? C'est pas possible. Le plan A, c'est d'arriver à résister aux attaques de l'ennemi en créant une machine qui mise tout sur la défense. Le plan B, c'est d'exploiter les points faibles de leur défense en créant une machine hyper rapide et plus performante que la leur. Tu as perdu la tête ou quoi? Un développement simultané, tu crois vraiment que c'est possible? Oui, enfin en théorie, on a déjà perdu beaucoup de temps. Faire plusieurs tâches en même temps s'est révélé inefficace et des retards constants ont perturbé notre planning. Mais si je réévalue et optimise le flux de travail de chacun, d'après mes calculs, nous aurons fini juste avant le match. Oui, en effet même, tu ne voudrais pas trouver quelque chose d'un peu plus réaliste? C'est la meilleure solution. Voilà, comme d'habitude. Bon, j'imagine que je vais pas pouvoir rentrer chez moi pour dîner avant un moment. Ah, il va falloir cruncher. On va devoir faire des nuits blanches pour y arriver. Essayez de ne pas vous épuiser, d'accord? Ah, les choses se compliquent. Ah, c'est compliqué. Bon, attends, on peut faire des matchs, là? C'est l'heure du match. Nous devons continuer nos entraînements et faire quelques tests pour accueillir le plus de données possible. Bien sûr, je m'en occupe. Nouvelle pièce débloquée. Alors, on était où, là, développement de pièces? Alors, le 200S... C'était quoi? C'était bien, c'est le 200S? Ah ouais, c'est le maxi... Attends. Non, MB. Non, c'est celui-là, le maxi. Ouais, on peut pas le faire. Nous, on a celui-là. Ok, ouais. Ensuite, ici... Celui-là, on peut pas le faire. Ouais, de toute façon, il va falloir faire des matchs, là. À mon avis, tout doit être inaccessible. Logiquement. La batterie, faut du câble électrique. Ah, y a une... Déjà, on n'a jamais réussi à faire la 70, hein, quasiment. Je me demande si on en a une seule. Ok, donc là, bon, il faut faire des matchs, hein, de toute façon. Alors, fais voir, est-ce qu'il y a des nouveaux matchs? Match d'entraînement. J'ai pas l'impression.
Ouais, il est abondante. T'es obligé de faire un match d'interligue, là? Ouais, câble électrique propre, plaque transparente. Ouais. Bon, allez, on y va comme ça, on va voir ce que ça donne. On va peut-être un peu avoir des difficultés, hein, parce que c'est vrai que nos robots, là, ils ont pas évolué depuis un moment. Bon, déjà, je vais être un peu rouillé. Voilà, c'est quoi? Ouah, cette map avec des trous partout? Ah ouais. Voilà. Ouah, il est déjà là, lui. Ouah, il me défonce. Bah, putain, la map... Attends. Voilà. Casse-toi, évidemment. Ah, ça va être chaud là. Alors déjà parce qu'ils sont tous ici, mes potes. Donc ça, c'est le pire. Ouais, là on n'a pas de pièce. Il y a lui qui me défonce. Je peux plus bouger. Ouais, je peux même plus rien faire. Ah, je pense que là, on va être vraiment pas ouf. Hein. Ils sont trop forts pour nous. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut acheter les pièces là pour avancer maintenant. Je vois pas comment on peut faire, à part acheter les pièces directement. Et ils sont vraiment trop forts. Ils sont vraiment beaucoup trop forts pour nous. La vitesse où ils vont. Ah ouais, l'autre il est déjà là. Ah ouais, il est déjà en train de me bourrer. Ouais, je peux rien faire, il me bourre. Non, pas rien faire. Strictement rien faire, ils sont beaucoup trop forts. Alors ouais, là je pense que le problème c'est qu'ils ont dû bloquer les pièces dans le jeu, ce qui est pas... C'est un peu dommage par contre que tu sois obligé de les trouver dans le jeu pour pouvoir avancer. Parce que en fait t'as vraiment aucune idée d'où les trouver, mais je pense que c'est comme ça que ça marche malheureusement. Ah il me bourre. Je peux rien faire, vraiment il me bourre. Ouais, puis on a pas de pièces. Ah, et puis il me bourre. Je peux strictement rien faire. Ils sont 20 fois plus rapides que moi. Je peux strictement rien faire. Faut avoir un peu de chance en fait. Tu vois, genre y'en a un qui chope une pièce là au pif. Mais sinon, en vrai, on a aucune chance. Hein. Ouais, je peux rien faire. Je peux zéro bouger. Ouais, il faudrait qu'il y en ait un qui chope une pièce, quoi. Ouah! Ouah, cette victoire sur le fil! Sur le fil! Invraisemblable! Au moment où je dis qu'il y en a un qui faudrait qu'il chope une pièce, ça n'avait aucun sens! C'était n'importe quoi! Ah, parce qu'en vrai, ils étaient 20 fois plus forts que nous, on n'était pas du tout équipés là. Mais ouais, mais on n'était pas censé faire ce combat maintenant en vrai, hein. Mais on est censé obtenir les pièces où là? La vie, c'est pas une théorie, c'est la réalité. Merde, on n'a pas toujours ce qu'on veut, parfois. Tout se barre en sucette. J'en ai rien à faire de ta meilleure solution, mec, je suis pas un putain d'esclave, c'est reparti. Takamori nous fait une crise, ça s'arrête jamais. Comme les bottes sur Shatter. Silence tout le monde, le one man show de Takamori va commencer. Ferme-la. Bon, tout va pas si mal s'ils arrivent encore à rigoler entre eux. Sakura, essaie de ne pas te surmener. Je m'amuse bien. Et Sakura m'a fait un compliment, alors je fais tout ce que je peux. Je l'ai peut-être trop encouragé. Ne te laisse pas abattre, même dans l'adversité, il persévère sans jamais se plaindre. Je vais t'apporter quelques rafraîchissements. Ça tombe bien, je commençais à avoir faim. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Wouah, la drogue. Stamina. T'as peut-être un robot qui se nourrit que d'huile, mais nous, c'est pas ce qui va nourrir. Moi aussi, je commence à avoir la dalle. Il est temps de mettre la main à la poche en tant que conseiller.
Tout le monde, écoutez-moi. Ça vous dirait d'aller manger des ramen? Enfin, si vos parents ne vous ont pas déjà préparé à dîner. Carrément. J'ai dit à mes parents que je rentrerai tard, alors ils n'ont rien préparé. C'est vous qui payez, j'imagine, bien sûr. Kuromasaki, tu es parfum? Ouais, je... Allez, la fin. Allez, viens manger. Ok, je viens. Ouais, là je pense qu'on a eu une victoire qu'on n'aurait pas dû avoir. Mais après, je sais pas, est-ce qu'il y a un magasin qui... Il doit avoir un magasin qui vend des pièces, parce que... Les pièces, je pouvais pas les récupérer via les examens, là. Enfin, via les entraînements, c'est ça qui est bizarre. Alors, je n'avais pas vraiment d'amis, je restais dans mon coin et je mangeais toujours tout seul. Sérieux? C'est tellement la honte que parfois j'avais envie de me cacher dans les toilettes pour manger. Mais aujourd'hui, tu manges avec nous. C'est pour ça que je suis heureux. Manger avec ses potes, c'est tellement génial. Nous ne sommes pas tes potes, nous sommes tes amis. Kuromasaki, je suis tellement content. Arrête de chialer, tiens, prends un mouchoir, tes ramen vont finir par être trop salés. Ah. Bah, tu peux garder le mouchoir maintenant. Hein. Merci du fond du cœur, je chérirai ce cadeau toute ma vie. On reviendra manger ici à l'occasion. Bon, le travail d'équipe était déjà à fond. Hein. Bon, alors attends, c'est la merde là, parce qu'en fait, en vrai, on n'aurait pas dû gagner. Hein. En vrai, on n'aurait pas du tout dû gagner là. Merci pour le clip, Rafifi. Ah merde, puis alors l'histoire qui continue, qui s'arrête plus maintenant. Une autre erreur, mais comment c'est possible? Takamori, on en est où pour la machine B? Elle était censée être prête hier. Je l'ai pas encore, je rencontre quelques difficultés. T'aurais dû me le signaler. Tout le monde commence à être sur les nerfs. Odekinawa, tout va bien? Tu as l'air exténué, vraiment? Tu restes au club tous les jours après les cours? T'en fais pas trop, d'accord? Ouais, il a une tête! Ah, il est ravagé, lui. On dirait qu'il s'est coiffé avec un râteau, qu'il s'est lavé les cheveux avec du Roundup. Je suis prêt à tout pour gagner contre l'université des sociétés de Toto, des sciences de Toto. Même si je dois repousser mes limites. Le plus important, c'est le mental. Je n'ai pas l'intention de lever le pied avant d'avoir décroché la victoire. La volonté fait des miracles. Monsieur Agami, ma volonté me permettra de surmonter cette épreuve. Alors, il compte jouer les durs maintenant. Ça ne lui ressemble pas. On dirait que tout ça commence vraiment à l'affecter. Komasaki qui s'amuse, c'est bien la première fois que je vois ça. Ça me rassure, elle travaille toujours autant travaille dans son coin d'adulte. Bon, attends. Parce que là... Yagami-san. Attends, il nous parle de match d'entraînement. Mais faut arrêter là. Il y a de nouveaux matchs d'entraînement, c'est moi qui suis aveugle. Ah, on l'avait peut-être pas fait celui-là. Pourtant, il me semble qu'on l'avait fait Robo Zemon là. Bon, le problème c'est que. Attends, j'ai de quoi faire quoi là. Bon, je vais essayer déjà de booster mon robot. Ah non, il me manque du caoutchouc extrêmement durable. Attends, c'est lequel mon robot, moi? Merde. Attends, le robot qui trace, là, c'est lequel? C'est celui avec du MB202. Ouais, moteur rapide, foreuse, tout ça, là. Ouais, MB202E. Donc, il pourrait avoir un moteur comme ça, mais il faudrait du caoutchouc extrêmement durable. Ouais, ça, c'est pour l'autre robot. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Ouais, je peux... Toujours pas faire de batterie 70 parce qu'il faut de l'alu brillant. Je peux pas faire de moteur. Il faut du câble haut de gamme. Et c'est ça qui est vachement bizarre. Il manque vachement de pièces. Donc il doit falloir trouver un magasin qui alimente ça. Hein. Parce que là, en vrai, je peux rien faire. Il manque toujours des trucs. Ouais, données IA2, j'ai pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourtant, il me parle de match d'entraînement. Ou alors, ils donnent plus les mêmes... ils ont changé, il y en a certains qui donnent plus... Ah, mais c'est ça! Ah ouais, alors par contre, c'est pas ouf ce qu'ils ont fait. En fait, je comprends, ils ont fait monter certains combats. C'est pour ça. Tu vois, et là, ils l'ont mis là. Échappée belle. Mais genre, c'est pas classé. Voilà, et là, il y a... caoutchouc extrêmement durable. Ok. Je comprends mieux. Ouais, en fait, faut regarder les étoiles. Donc là, on a... On va essayer le match 4 étoiles. L'échappée belle. Ok. Mais ça se trouve, on va se faire rouler dessus.
Ah ouais, par contre, c'est pas cool ce qu'ils ont fait. Ils les ont pas classés en fait par ordre. Du coup, tu peux pas deviner, ils les ont pas classés par étoile. C'est un peu débile. Mais à mon avis, on va être juste pour eux aussi. Hein. Faut juste un peu piffer quoi. Alors déjà, je vois pas où est la pièce. Bah, de l'autre côté parce que je vois rien. Oh merde, non, c'est déjà Metros, hein, c'est une violence. Oh putain, ils en ont qu'après ma gueule, ouais, tu peux rien faire. Ils visent que ça. Ils visent qu'en avoir après plein ma gueule. Ah ouais, c'est une équipe de destruction pure, il y a trois foreuses là. Ils vont bourrer notre équipe, c'est tout ce qu'ils vont faire. Par contre, on a eu le temps de récupérer, je ne sais pas par quel miracle. Faut juste que je pose ça. Ah, il y a deux foreuses là, je pouvais rien faire. Attends, je vais essayer. Ah, ah. Non, c'est pas à moi ça. Elle est où la pièce? Ah, il sera avant moi, il sera avant moi. Allez, allez, je bourre. J'ai l'air à la foutre. Allez. Oh, je suis passé. Oh, je suis en train de griller toutes les pièces là. Oh, je suis en train de griller toutes les pièces, mon gars. Allez, pose, on s'en fout. C'est pas grave, j'ai posé ma pièce. Ah, par contre, j'ai dû perdre celle que j'avais récupérée, non? Ah non, on les voit en bas dans le réservoir, non? Oh, elles sont là. Oh, je lui ai piqué. Ah, il m'a emmerdé avec moi, lui. Oh, comment on est en train de les défoncer? Oh là là, ça a été cher, là. Oh, ils ont pris cher. On avait trois vaisseaux de merde, on les a ridiculisés. Avec trois vaisseaux à moitié montés, hein. Par contre, il va falloir récupérer du matos. Hein. Parce que là, là on n'y est pas. Hein. Va falloir upgrader tout ça. Ça va demander un peu de temps. Peut-être que j'en ferai un petit peu hors stream. Donc ça vous intéresse vraiment, mais... Alors attends, qu'est-ce qu'on peut monter là? Alors attends, moi déjà, c'est le mien. Il faut que j'améliore absolument le mien là. Déjà, je vais lui mettre une meilleure carrosserie. Par contre, je pourrais pas tout monter. Au pire, je lui mettrai une foreuse de merde. Il a une tête, lui. Est-ce que je peux faire une batterie? Une petite batterie 70. Putain, les batteries, on peut pas. Voilà, il faut de l'aluminium brillant. J'ai toujours ma batterie de merde. Et attends, moi j'utilise quoi déjà? J'utilise le moteur rapide. Ok, alors attends, déjà, est-ce que je peux mettre ça ou ça casse tout? Ouais, alors attends, ça casse tout. Je vais descendre la foreuse. Voilà, là on reste dedans. Bon, j'ai une foreuse de merde, mais j'ai une meilleure carrosserie. De toute façon, j'aurais pas de quoi mettre le moteur parce que je peux pas. Ah ouais, là il y a un sacré gap d'un seul coup. Il est vraiment bizarrement calibré le jeu. Ouais, parce que là, il faudrait du fer raffiné pour avoir une meilleure carrosserie sur l'autre, sur le deuxième robot, sur le troisième. Ah, il faudrait des rapports application forteresse. Non. Si. Ah, peut-être que lui, on peut réussir à lui monter sa... On pourra peut-être réussir à lui monter sa... Ne serait-ce que déjà sa défense. Retour sur les applications... Rapport sur les applications. Mais où c'est où, ça? Rapport sur les applications de forteresse. Ah, c'est là, hein. C'est le même match qu'on vient de faire. Bon, après, il est faisable, celui-là. Il est complètement faisable. Ah, attends, j'en ai dans celui-là. Rapport... Ah, c'est basique. Non, c'est pas basique qu'il faut. C'est rapport sur les applications. Ouais, non, j'ai pas. Non, il y a que dans celui-là. Ouais. Bon, écoutez, on fera un peu de robot demain. Histoire de monter ça. Mais là, il va falloir taffer le robot, en vrai. Ça va être assez long. Hein. Ouais, peut-être que j'en farmerai un petit peu hors stream. Ouais, parce que ça va être pénible. Hein. Parce que là, ça va être vraiment du farm. Vous avez déjà vu les deux combats, donc ça vous donne une idée de quoi ça va ressembler. Je ferai peut-être 2-3 matchs, histoire que ça soit un peu plus... fluide en stream, parce que bon, là ça va être du pur pour répétition de bon, même si ça dure pas des plombes, mais c'est les mêmes combats, vous les avez déjà vu une fois dans des conditions extraordinaires en plus. Ah, l'avant-dernier, on l'a vraiment bourré, mais celui d'avant c'était n'importe quoi. On a vraiment fait ça comme agroport, hein. C'est vraiment de la pure chance, hein. Il n'y avait rien d'autre.
En tout cas, merci d'avoir suivi ce stream. J'espère que ça vous aura plu et diverti. Demain, on se retrouve à partir de 9h, si tout va bien, pour Café Matin. Et puis, nous continuerons Lost Judgment. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye et gaming. À demain matin.